démarrer un nouveau round. Alors, eh bien, j'ai envie de dire que Ekarus va essayer de terminer, va sûrement terminer le Zamlins. Hein. Il va pas s'en priver. Est-ce qu'il utilise un point d'action? Bon. Est-ce qu'il utilise un point d'action? Non, il ne va pas utiliser de point d'action. Il domine déjà la zone, donc il a déjà une touche automatique. Il va utiliser donc sa longue sword qui lui permet de lancer 2 dés rouges. Donc c'est parti. Aïe aïe aïe, c'est pas terrible. Une touche, une simple touche, plus une touche automatique de son épée, ça fait 2. Plus un point de domination, ça fait 3. Il ne peut rien faire de plus. 3, étant donné que le Gremlins a slash et que sa longue sword est slash, on va enlever donc une touche. Ça fait donc 2 touches. 2 touches, mais ça suffit pour porter le nombre de points de dégâts à 4. Le Gremlins 6 à 4, donc le Gremlins est tué. Hop. Mais il fait une dernière attaque de spines, hein, donc d'épines, ce qui est une réaction. Ces 2 touches automatiques, spines, elles sont absorbées par l'armure d'Ekarus. Donc il va laisser 10 pièces d'or sur la case. Alors j'en profite pour faire un petit point de règle. Si on avait eu 2 gremlins et que donc il y en a un qui est tué, donc celui qu'on vient de tuer, il drop une couronne, je veux dire, sur la case. Mais pour récupérer la couronne, en fait, ça demande une action gratuite. Mais par contre, il ne faut pas être engagé dans le combat. Donc s'il y avait eu un autre monstre sur la zone, on n'aurait pas pu récupérer tout de suite la pièce. Voilà, c'est un petit détail. Donc il récupère 10 couronnes. Voilà, et le Gremlin s'est tué. Spines, on a dit que c'était absorbé. Donc voilà, donc il a tué. Il nous reste quand même une action. Eh bien, j'ai envie de dire que son action, il va l'utiliser pour... Ah, mais c'était une action gratuite, tiens, d'ailleurs. Ouais, tiens, j'ai pas fait gaffe. Je suis passé pas très loin de la correctionnelle. C'est-à-dire qu'il manquait pas grand-chose pour que je ne tue pas le Gremlins. Donc, je vais utiliser la potion de soin. Tant pis, c'est 4. Hein. Il a 3 points de dégâts, Karus. Mais je vais quand même utiliser la potion de soin pour me soigner complètement. Et donc, je défausse tout ça. Donc... voilà, ensuite Ekarus va bouger, donc 1 et 2, 3 ici. Et donc, on va tirer une carte rencontre. Ah oui, non, je ne tire pas de carte rencontre, désolé, puisqu'on n'a plus de monstres sur le plateau. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc c'est au tour de Chae. Chae va en profiter pour chercher sur sa zone, ici. Donc on retourne le pion. Qu'est-ce que l'on a? Donc si c'est un éclair, c'est un trésor. Si c'est un pion de loot, si c'est une étoile, c'est un trésor. Donc c'est intéressant. Donc on lance un dé rouge. Hop, c'est une touche. C'est une étoile, pardon. Donc on pioche une carte trésor. Alors, une carte trésor. Blue relique. Ça c'est intéressant, mais ça peut être dangereux. Donc, très intéressant. C'est très très intéressant ça. Alors un éclair, on perd un soul rank. Par contre une étoile, on gagne un soul rank. C'est intéressant. Et en plus tout le monde peut l'utiliser. Vous voyez ici que le seal ici dit que tout le monde peut l'utiliser. Donc j'ai envie de dire que ce sera intéressant de le donner à Ekarus pour qu'il puisse... oui, non, remarque, les deux sont au niveau 1, donc c'est pas... Ça reste intéressant, très intéressant pour eux. Voilà, donc on défausse le pion de recherche. Et ensuite, eh bien, Chael va venir sur la zone ici, sur laquelle il y a un pion de... une carte d'événement. Donc ça lui coûte 2 points de mouvement, hein, c'est une zone difficile. Donc 1, 2, et puis donc je vais lire l'événement qui correspond. Donc on va regarder dans le livre des secrets ce qui se passe.
Donc au chapitre Story Event 2, donc ici. Alors que, donc, comme les héros rentrent dans la zone du souterrain, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Un homme vêtu d'une tenue qu'ils ont vue lors de l'attaque de la ville apparaît au bout du tunnel et appelle. La guilde de l'ombre n'aime pas les visiteurs inattendus. Ce sera votre tombe. Alors qu'il le dit, il dépose une longue laisse en cuir, libérant un gremlins, un grand gremlins avec des yeux vifs et s'éloigne au fond du couloir. Au même moment, une grille de fer tombe du plafond en isolant la pièce dans laquelle ils sont, et que d'autres gremlins émergent des murs. Les héros se rendent compte immédiatement qu'ils doivent anéantir ces bêtes pour pouvoir suivre cet homme jusque dans sa cachette. Alors, maintenant on va donc exécuter ce qui est dit. On place le Gremlins rouge dans la zone de l'événement numéro 2. Donc j'attrape sa carte. Hop. Voilà, Gremlins rouge qui est plus puissant, qui est résistant, qui a une armure. Par contre, qui va nous donner des choses intéressantes. Deux pions loot, il a 6 points de vie. Puisqu'on est à 2 héros, il donnera 2 points de soul. C'est intéressant. Donc je vais l'affecter au héros actif. Le héros actif, c'est Shae. Et on voit également qu'il a ici ce sigle qui dit qu'il a un pouvoir. Donc on va piocher un pouvoir. Ah! Donc en plus, il a une armure. Donc il a plus 1 point d'armure. Donc ça, c'est pas très très bon. Enfin bon, il faudra s'y faire. Alors... Donc, quand le Gremlins rouge va mourir, on l'enlèvera de la quête. C'est-à-dire qu'on ne va pas le remettre dans la pioche. Enfin, on ne va pas le remettre dans la défausse du paquet d'ennemis. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas revenir en jeu par la suite. Ensuite, s'il y a 3 héros ou plus, on spawn un Gremlins. Donc, c'est pas le cas. Ensuite, on spawn un nombre de Gremlins égal au nombre de héros en jeu et en vie, moins le nombre de Gremlins. Ah oui, donc évidemment, j'ai oublié d'attraper sa figurine. Hop, je mets sa figurine ici. Donc, on a 2 moins 1. Donc, je vais spawner un ennemi en plus. Et. Donc on va le placer sur la tuile 6A, donc c'est cette tuile ici. dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le haut, en haut à gauche. Alors comme j'ai tourné, le plateau est pas orienté, il n'est pas orienté de la même manière que dans le descriptif du scénario, donc en fait c'est cette zone ici. Donc je pioche un ennemi, et donc on va tomber sur un Gremlins vert avec 2 points de cire. Donc je vais l'affecter là pour le coup à Écarus, hein, puisqu'on affecte en priorité au héros actif, mais ensuite il faut égaliser hein, le nombre de monstres gérés par les héros. Donc c'est Écarus qui le gère. Sa figurine, c'est celle représentée par un Gremlins avec une pierre dans la main. Donc je le mets ici. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Alors on pose une porte fermée. Ici. Tac! C'est qui représente la grille qui vient de se refermer. Et ensuite, j'ouvre le point de spawn avec le bouclier. Donc c'est ce pion de spawn qui est ici. Voilà. Donc celui-ci, je l'ouvre. On enlève le pion de spawn avec l'étoile qui est ici. Donc je l'enlève. Et on place l'événement numéro 2 sur sa face révélée, sur le haut du deck. Ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Voilà. Et donc, ben maintenant c'est parti. Hein. C'est parti. Voilà, tout ce qu'on nous dit, c'est tout. On ne nous dit pas que le Gremlin se doit s'activer. Non, je ne vois pas. Donc, eh bien, Shay, il lui reste une action d'attaque.
Bah, elle a une action d'attaque, donc eh bien, elle va en profiter, donc elle va attaquer le Gremlins rouge. Donc avec donc le Gremlins rouge, il est résistant aux armes slash, et donc il a deux armures à cause de son pouvoir, je le rappelle. Donc ça c'est compliqué. Alors déjà, elle va tenter de le voler, hein. On va pas se gêner, c'est une action gratuite. Donc je lance un dé rouge. Ah, ben c'est raté, elle n'a pas de touche. Ok. Ah non, je ne peux pas, pardon, puisque je l'avais fait au tour précédent. Et donc quand on le fait une fois, on passe. On retourne la carte. Et donc il y a un décompte qui démarre. Tout à l'heure, quand je l'ai fait au tour précédent, on était à 2. Donc au moment de rafraîchissement, on est passé à 1. Et donc voilà. Donc elle ne peut pas le voler tout de suite. Par contre, elle va l'attaquer. Donc elle va utiliser du coup. Est-ce qu'elle utilise Pierce? Oh, j'ai bien envie de tenter Pierce. Elle va tenter Pierce, du coup. Donc c'est 2 dés bleus. Donc là, il n'est pas résistant aux armes Pierce, hein, donc nos Gremlins. Donc on va pas enlever de touche. Elle va faire une action de focus. Ah non, elle n'a pas de focus. Ah ouais, elle n'a pas de focus. Puisque j'ai déjà utilisé mes deux actions. Une pour chercher. Est-ce que je dis une bêtise? Non, elle a utilisé qu'une seule de ses actions. Donc elle va utiliser une deuxième action ici pour faire un focus. Donc elle aura moins de touches. Ok, donc je lance 2 dés. Ah ben c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça fait 2 touches plus une touche. Ouais, une touche de focus. Alors, ce qu'on va juste par contre vérifier, c'est la résistance donc, du Gremlins. Donc Sharp Spine, si l'ennemi souffre de dommages, tous les héros dans la zone souffrent d'un dommage. Ah oui, donc là on peut pas le contrer, hein, donc on l'encaisse direct. Et Quickness, donc c'est un pouvoir permanent, à la fin de chaque tour ennemi, si cet ennemi ne s'est pas activé, il s'active. Ah ouais, ok. Bon. Donc on a dit 2 touches plus une touche de focus, ça fait 3. Ça, il n'y a pas de pouvoir qui se déclenche. Voilà, donc ça fait 3. Alors, comme notre Gremlins a 2 points d'armure, eh bien, il n'y en a qu'une seule qui passe, hein, il n'y a qu'une touche qui passe. Et du coup, ça fait un seul dégât. Ok, Shae, elle a fini de se déplacer. Est-ce qu'elle essaie de quitter la zone? Alors, regardons un peu. Regardons un peu ça. Alors, attaque with close. Donc elle va se faire attaquer au tour prochain, ça c'est sûr. Si elle tente de s'évader, elle va se faire attaquer également, puisqu'on ne domine pas la zone. Donc, tout ça est bien délicat. Elle va se faire attaquer, puis elle va manger en plus, parce que le Gremlins rouge. Ah non. Non, j'ai pas bien. Donc, l'intelligence artificielle du Gremlins rouge, c'est qu'il regarde à 0 ou une zone. Et donc, je vais pouvoir utiliser les capacités Taunt de d'Ecarus pour que le Gremlin se dirige sur sa zone. Donc je vais peut-être arriver à sauver Shae dans un premier temps. Bon ok, donc voilà. Shae a terminé. Phase de rencontre. Vétéran Assault. Donc on active tous les ennemis bleus, il n'y en a pas sur le plateau. Donc on active tous les ennemis engagés. Et ils font une attaque avec leur arme principale. Bon. Donc. Tous les ennemis engagés font une attaque avec leur arme principale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce
Parce que le Gremlins rouge, il est engagé. Son arme principale, c'est ça. Mais faire une attaque, mais qui cible-t-il? Ben, ils vont chercher leur cible, je pense. On va, c'est pareil, hein, on va regarder l'intelligence artificielle. Hein, donc à zéro une zone. On regarde où se trouve la victime préférée. Donc la victime préférée, c'est le héros le plus blessé, donc ça devrait être Shae, mais Icarus, il a un pouvoir qui est Taunt, qui lui permet de devenir la cible préférée jusqu'à 3 zones, une fois par round. Donc c'est ce qu'il fait. Donc le Gremlins va venir sur la zone ici, il s'engage, et il va attaquer Icarus. Alors, j'ai oublié aussi une petite chose, c'est quand Shae a infligé un dégât, eh bien, à cause de Sharp Spines, le héros va souffrir d'un ennemi, d'un dégât. Donc Shae passe à 3 points de dommage. À 4 points de dommage, elle est morte. Donc, le Gremlin, s'il arrive, il se ramène. Lui, il a 3 dés rouges d'attaque. 3 dés rouges. Hop. Alors, 2 éclairs, une touche. Donc, il enlève une armure. Donc, Icarus, il a 2 points d'armure. Donc, il lui reste un point d'armure. Il n'y a qu'une seule touche. Et les éclairs, etc., ne déclenchent rien chez le Gremlins. Donc, eh bien, pas de touche. Là, il s'en sort pas mal. Ok, donc voilà. Tout le monde s'est activé. Phase d'événement. Eh bien, je vais défausser la carte qui est sur le deck. Et on va démarrer un nouveau tour. Donc je rafraîchis les pouvoirs. Phase de temps, je rafraîchis les pouvoirs. Donc notamment le pouvoir Sifling de Shae. Et donc le Gremlin Sphere, je rappelle, je ne l'ai pas activé puisqu'il n'était pas engagé. Hein, donc il n'a pas fait d'attaque. Ok. Donc, est-ce qu'on met le paquet tout de suite ou est-ce que est-ce que je laisse Icarus se débrouiller un peu tout seul? Et Shae essaie d'avancer un peu? Alors, le Gremlins. Plus riche. Ok, je regarde juste l'intelligence donc de notre Gremlins vert. S'il s'active au prochain tour, il va regarder à une zone ou deux zones. Il se déplace pour s'engager et il attaque avec ses griffes. Sa cible préférée, c'est le plus riche. Donc ce sera ici Icarus. Donc Shae, elle a pas réellement de soucis à se faire. De toute façon. Alors là, c'est intéressant. J'ai envie de dire elle pourrait l'attaquer le Gremlins, mais il faudrait quand même qu'on avance un peu dans la quête, parce que le temps tourne. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste combien? Il nous reste ça plus deux cartes. Non, plus. Il nous reste un peu plus. Ah oui, on a quand même du temps. Bon, je vais commencer par Shae. Shae, elle va utiliser sa relique. Ah oui, c'est du consommable. C'est du consommable. C'est du consommable. Oui, tout à l'heure je ne l'avais pas dit. Donc ça veut dire que ça ne marche qu'une fois, évidemment. Ce serait trop beau. Ce serait trop beau. Bah, étant donné qu'elle a deux actions possibles, elle va le faire. Donc j'utilise cet objet. Donc je vais lancer un dé. On va prier pour avoir une étoile.
Il n'y a rien qui puisse me faire relancer les dés. Bon, alors c'est parti, attention. Aïe! Bon, mais c'est perdu. Donc un éclair. Un éclair, donc ben voilà. Donc je perds un soul rank, mais j'étais déjà au niveau 1, donc ça ne change rien. Je défausse la relique. Ok, bon, ça c'est fait. Est-ce que je vais donner un coup de main? Est-ce que je vais donner un coup de main à Icarus ou pas? Oui, donc elle vient ici pour 2 points de mouvement. Elle va utiliser donc son couteau qui est Pierce. Quoique non, elle va utiliser son katana qui est Slash. Donc 2 dés rouges, 1 dé bleu, et elle utilise une action pour faire un focus, pour avoir une touche automatique. Et en plus, il domine la zone, donc ça fait donc déjà 2 touches. C'est parti. Alors, hop. Donc 2 touches et 1 éclair. Alors, un éclair, ça m'apporte rien. Donc ça fait 2 touches plus 1 touche de focus plus 1 touche de domination, ça fait 4 touches. J'en enlève une puisque le katana et slash, ça fait 3. 3 et malheureusement, le Gremlins a une armure de 2 points. Enfin, il a 2 points d'armure. Donc on inflige qu'un seul point de dégâts. Donc ça fait 2. Est-ce que c'est... Ouais, non, c'est pas très bien vu tout ça. Non, mais c'est pas grave. Donc, eh bien, du coup... Tous les héros dans la zone souffrent d'un dégât. Donc Chai, elle passe à 4. Et du coup, elle meurt. Voilà. Donc elle meurt. Elle laisse tomber une pièce sur la zone. Et donc voilà, elle était déjà au niveau 1, donc ça ne change pas grand-chose. Donc voilà. Alors, comme elle est morte, comme elle est devenue morte, eh bien, on ne va pas piocher de carte rencontre. Donc je passe directement à Écarus. Écarus, il va essayer de mettre le paquet également. Donc il attaque avec Longsword, donc c'est 2 dés rouges, il fait une action de focus pour avoir une touche supplémentaire. Ah oui, Icarus, il encaisse un dégât aussi, hein. J'ai oublié de lui mettre. Hop. Aïe, 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 c'est pas terrible. Donc j'ai une touche, un éclair. Donc un éclair, c'est une touche. Plus une touche, ça fait 2. Plus une touche automatique de l'épée, ça fait 3. Plus une touche de focus, ça fait 4. Donc ça fait 4. J'en enlève une à cause de slash, donc ça fait 3. 2 points d'armure, on tombe à 1, donc on n'inflige qu'un seul point de dégâts. On n'est pas quand même pas rendu, hein. Donc 3 points. Et d'autre part, ça, le fait qu'il ait une armure, là, le Gremlin, c'est terrible. Ça nous double le temps pour arriver à le tuer. Et donc Icarus souffre d'un dégât supplémentaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme Shae est morte, est-ce qu'elle peut utiliser son action gratuite Soul Shout? Faudrait que je vérifie, parce que là, elle a démarré son tour, elle était vivante. Est-ce qu'elle peut utiliser un de ses pouvoirs maintenant, tandis que c'est gratuit? Et est-ce qu'elle peut utiliser son déplacement également? Est-ce qu'elle aurait pu le faire? Ah oui, mais c'était lors de son tour, on n'est plus dans son tour. Ouais, donc elle peut pas le faire. Peut pas le faire maintenant. Ok.
Donc voilà, Icarus, il a fait ce qu'il avait à faire. Est-ce qu'il va bouger? Est-ce qu'il bouge un peu? Est-ce qu'il bouge? Non, il bouge pas. Bon, il peut bouger, hein. Puisqu'il domine la zone, donc de toute façon il n'est pas attaqué, donc il va bouger là. Au niveau de la porte, hein. Ça sera toujours un point de déplacement fait. Et on tire une carte rencontre. Donc on active tous les ennemis de type dextérité. Donc ce sont les deux gremlins que l'on va activer. Alors en commençant par les héros gérés par le héros actif. Donc Icarus gère le Gremlins vert. Le Gremlins vert, donc, eh bien, il va bouger sur la zone d'Icarus. Et il va attaquer avec ses griffes. Ses griffes, c'est 2 dés rouges. 2 dés rouges. Donc 1, 2, 2 touches absorbées par son armure. Donc c'est bon. Ensuite, le Gremlins rouge, eh bien, il va se déplacer également ici sur la zone. Il va attaquer avec ses griffes. Alors ses griffes, lui, c'est 3 dés rouges. 3 dés rouges et d'autre part. Et d'autre part, il enlève une armure à Icarus. Alors, ouf, 3 touches. Donc 3 touches. 3 touches. Du coup, Icarus a une seule armure. Donc ça fait 2 touches qui passent en lance 2 dés. 2 boucliers. C'est bon, il n'est pas touché. Parfait. Alors par contre, j'ai oublié quelque chose, c'est que lors de l'attaque... ah non, 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 j'ai rien dit. Ici, ce qui était à noter, c'est que Banding, si les ennemis contrôlent la zone, l'attaque de griffe inflige 2 touches supplémentaires, mais ils ne contrôlent pas la zone, puisque Icarus vaut pour 2, et donc ça fait 2 contre 2, hein, les Gremlins ne contrôlent pas la zone. Donc voilà, le Gremlins a fait son attaque, il s'est activé. On a fini donc le round. Je défausse donc une carte événement que je vais mettre donc sous le paquet. Et donc on va démarrer un nouveau round.